et Roche et Ngoti rejouer en stopper. On vous expliquera un petit peu plus tard pourquoi ce changement tactique de Luis Fernandez. Corogne et 3-4-3 du côté du PSG. Alors que normalement les Espagnols vont devoir s'y habituer. Oui, attention à Bebeto qui a été lancé par Fran. Ballon qui a lobé Bruno Ngoti. Lopez récarté avec Aldana. Oui, pour Mandrarin. En face à face, ballon sorti par là-bas. Et par Paul Le Guen maintenant sur la frappe de Bebeto. Quelle parade de Bernard Lama qui vient encore une fois de sauver son équipe. C'est un geste de paresseux que de traîner hors jeu. En revanche, ça, c'était pas un geste de paresseux. Regardez comme Lama, sans faire de faute, qu'est-ce qui va loin avec sa main droite. Qu'est-ce qui va loin. Et là, il revient et hop, il a redévié de la main gauche. Et ensuite, c'est Paul Le Guen qui va être le premier. Mandrarin dans la course d'Alfredo qui va être couvert par Roche. Fran bien fait, le Hugo Fran. Et parade de là-bas, c'est pas fini. Deuxième parade de là-bas sur la tête de Fran. Encore deux gestes de qualité pour Lama. Lama, c'est la deuxième fois qu'il est décisif dans cette rencontre. Deux fois sur deux d'ailleurs. Premier arrêt un petit peu avec les joueurs. Il est impeccable sur la trajectoire. Et là, oh, qu'il fallait aller la chercher. Qu'est-ce qu'il fallait aller la chercher loin encore celle-là. Oui, la première, il a bien sorti, il a bien fermé l'angle, il est dessus. Mais la deuxième, il faut aller la chercher avant la... Attention Alfredo qui est sur la droite de Bebeto. Voilà, non, c'est pour Fran avec le pied gauche. La parade et la frappe au-dessus de Meyer Eisten. Un but encaissé contre Metz et un autre en Coupe d'Europe contre Parme. Là, elle est à ras de terre de l'autre côté. Il se couche bien, mais il ne la maîtrise pas tout à fait. Parce qu'elle est forte, puis parce qu'il se souvient qu'il a eu deux pépins dans les trois dernières semaines. Et Meyer Eisten qui vient de rentrer, qui n'a plus qu'à la pousser. Et Lama qui a quand même fait deux fois deux arrêts. Deux arrêts décisifs pour Bernard Lama.